aussi, vous entendez ce bruit? Eh bien, c'est l'expression de la liberté. Rainulf! Bienvenue à la maison des bigles libres. Voilà, ça c'est Stromboli, le petit volcan. Voilà Rainulf. Ils s'entendent tous? Ben non, c'est pour ça qu'on les a séparés, c'est qu'il y en a... Il y avait la bande à Roger et la bande à Robert, donc... Ils ont des paniers, voilà, des petits paniers. Vous avez emballé tous les meubles? Oui, tous les meubles sur lesquels on avait l'impression que ce serait tentant pour eux de lever une patte plus ou moins haut. Doucement! Ouh, attention! C'est quoi leur point commun, tous ces chiens? Alors, tous ces chiens, ils ont été utilisés pour l'expérimentation animale, donc pour tester des médicaments. La plupart des chiens élevés en laboratoire sont euthanasiés, et ceux que nous avons devant nous, ce sont des rescapés. Comment ça se passe, une opération de sauvetage? C'est pas du tout des opérations d'urgence. J'ai pris des contacts avec des centaines de laboratoires. Quand ils ont des chiens qui peuvent sortir, parce qu'ils n'ont pas subi d'expérimentation toxique, ils m'appellent et ils me disent « Est-ce que vous avez la place de prendre ces chiens qui peuvent avoir une belle vie. » Qui veut manger des croquettes? Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tout le monde. Mon métier, c'est d'étudier les programmes de télévision dans le monde entier. Et là, du coup, ça c'est sur votre temps libre? Oui, oui, oui. En tout cas, c'est le temps que je crée de liberté. Les chiens restent en moyenne entre 15 jours et 6 mois, suivant leur traumatisme. Ils sont ensuite proposés à l'adoption. Oui. Bonjour Béatrice. Béatrice et Cyril ont fait 3 heures de route pour adopter un chien. Ça en valait bien la peine. Voilà Zoton. Ça s'élève à combien la participation pour adopter un beagle? On demande 300 euros pour nous couvrir tous les frais de stérilisation, les frais vétérinaires et puis le transport. Béatrice et Cyril et Faustine, on va s'éclipser pour vous laisser choisir en toute liberté. Tu vas t'endormir toi? Ils ont un passé, ils ont une histoire, il va falloir qu'on soit patient. Ils peuvent avoir des traumatismes, voilà. Ouais. Mais comme tous les êtres humains en fait, on a tous nos petits traumatismes, alors on va vivre avec. Donc c'est Rainulf. Au revoir petit Rainulf. J'ai quand même dormi pendant 15 jours avec lui à côté de moi. Moi c'est un peu nostalgique, mais c'est plutôt une grande joie de les voir partir vers leur vraie vie. Vous êtes une passeuse en fait. Oui, et en tout cas je les passe à des gens formidables qui vont les aimer encore mieux que moi.